Salut Dos, Todos. Alors nous sommes au Mexique là. Ça fait 2 jours qu'on est au Mexique. Nous sommes dans le Atzizcáhotl, là où il y a plein de lacs avec des couleurs superbes, vertes, turquoises, enfin c'est super. Et là c'est un des autres petits lacs. Bon là on est le soir, alors il n'a plus la belle couleur turquoise. Mais ce qu'il a de particulier, ce lac, c'est que au tout début de la vidéo, vous avez pu voir qu'il y avait des bornes blanches, une sorte de balises blanches, et on peut les apercevoir aussi au fond là-bas. Hein? Et en fait, si on tire un trait entre les balises de droite, ces balises que vous voyez, et si on tire donc un trait jusqu'aux balises que vous aviez vues au début de la vidéo, ça fait un trait, et c'est la limite entre, c'est la frontière entre le Mexique et le Guatemala, ce qui fait que bah finalement on n'est pas bien, on est parti, ça fait 2 jours qu'on a quitté le Guatemala, mais on est encore toujours très proche, voilà. Bah tiens, le soleil vient de se coucher. Ah oui, bah alors autrement, bien entendu, bien entendu, bien entendu, d'un côté vous avez des poissons du Guatemala, et là, de ce côté-là, ce sont des poissons mexicains, voilà. D'ailleurs, on voit bien la différence quand on s'approche entre un poisson mexicain et guatémaltèque. Bon, je vais aller voir les poissons, moi. Les peces. Alors, peces, c'est les poissons, mais les petits poissons, il y a un monsieur qui nous a dit tout à l'heure, ce sont les pecesquitos. Non. Pecesquitos. Pecesquitos. Le tour complet avec encore une fois la séparation entre le Mexique à gauche et le Guatemala à droite.